Eh bien, salut à tous les amis, c'est GGR, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, présentation d'une collection. Donc là, ce sera tous mes jeux Pokémon. Donc c'est des jeux que vous ne voyez jamais, vu que ma collection Pokémon est en face de moi. Donc ça se trouve, il y a peut-être même des personnes qui ne savent même pas que je collectionne des Pokémon. Mais vous pouvez voir, là, il y en a vraiment beaucoup. J'ai pas loin du full set Pokémon quand même. Ce sera mon prochain objectif, une fois que j'ai fini mon full set Wii U, c'est de terminer ce full set Pokémon, vu que j'en ai déjà une grosse partie de la collection. Il va m'en manquer pas énormément. Donc du coup, je vais vous présenter tout ça en vidéo. On va essayer de prendre à peu près dans l'ordre, hein. Ce sera pas non plus très très... peut-être pas tout dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc on va commencer par cette première pile qui sont mes opus Game Boy. Donc on va commencer par celui-ci, le Pokémon Trading Card Game. Voilà, donc le jeu de cartes à jouer en jeu vidéo. Donc on fait des combats de Pokémon avec des cartes, voilà, dans le jeu. Le Pinball. Donc là par contre, parce que là tous mes opus Game Boy sont en Crystal Box, mais celui-là je peux pas. Le Pinball, parce tout simplement parce que c'est une boîte plus épaisse. Donc le jeu de flipper avec des Pokémon. Donc celle cartouche est particulière si vous ne l'avez jamais vue, puisque elle est beaucoup plus grosse déjà, et on pouvait mettre une pile à l'intérieur qui faisait vibrer la Game Boy, donc c'était vraiment cool. Je n'ai pas le Pinball Advance, Ruby et Saphir. Je ne l'ai pas sur cette version Advance, donc quand je reprendrai mon full set, j'essaierai de me la procurer. La première génération avec rouge et bleu, voilà. Donc moi, à l'époque, j'avais fait beaucoup, beaucoup la rouge. La bleue, je l'avais eu très, très, beaucoup plus tard dans ma collection, voilà. Donc j'ai passé énormément d'heures évidemment sur cette version rouge et la version complémentaire de rouge et bleu qui était la version jaune. Donc celle-ci, elle reprenait beaucoup de phases de la série animée, vu que Pikachu nous suivait. Il y avait la Team Rocket dans cette version-là, franchement c'était excellent. Deuxième génération avec argent et or, voilà. Donc là c'était les opus Game Boy Color avec la deuxième génération de Pokémon. Et la version complémentaire qui était Crystal, voilà, donc les trois de cette deuxième génération, donc voilà. Je ne voulais pas non plus dire un avis à chaque Pokémon, sinon ça va être très très long. On change de génération avec et aussi de console avec Ruby et Saphir, voilà. Donc à l'époque, moi, j'avais pas fait ces versions-là. Moi, j'avais fait la version complémentaire qui était la version Emerald. Donc vous voyez quand même comment elle est super classe, la boîte, avec le très beau Rayquaza, voilà. Donc ça, c'était la génération Game Boy Advance, voilà. Et puis, mes derniers opus Game Boy Advance, par contre, je ne les ai pas en boîte, carton. C'est des boîtes DS, donc c'est un peu de la récupération que j'avais fait. Donc c'est Rouge Feu et Vert Feuille. Donc du coup, vous voyez que c'est des boîtes DS avec quand même la jaquette de Game Boy Advance. Mais à l'intérieur, hop, je vous le montre très rapidement, vous voyez, j'ai les deux cartouches en loose. Donc ça... Il va falloir que je les récupère en boîte quand je reprendrai le full set. Mais le problème, c'est que ces deux versions-là, vert feuille et rouge feu, sont des versions qui cotent beaucoup maintenant. Donc si je les veux complets en boîte, il va falloir que j'y mette le prix. On va passer par les opus console de salon. C'est pas du tout dans l'ordre, hein, parce qu'il y a même des opus N64, on va voir ça après. On ne fait pas du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave. Alors j'ai deux opus GameCube, le Pokémon Colosseum, voilà, ainsi que le XD, voilà, donc le souffle des ténèbres. Donc ça, c'est des jeux que j'avais achetés au tout début de ma collection. À l'époque, je les avais achetés sur Price Minister, donc pour à peine 15-20 euros chacun, je crois, et c'était il y a pas mal d'années. Et puis maintenant, ils ont pris une bonne cote, hein, ces deux jeux-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Quand j'ai fait ma vidéo collection GameCube il n'y a pas très longtemps, j'avais oublié de vous les montrer, donc du coup, vous les voyez dans cette vidéo. J'ai trois opus sur la Wii. Donc on commence par le Pokémon Battle Revolution et les deux Poképark. Voilà, Poképark 1 et 2, voilà. Donc ça, c'était des petits jeux Pokémon assez cool, mais pas ouf. Et l'opus Wii U qui était le Pokémon Tournament, voilà, donc un jeu de combat en versus fighting avec des Pokémon. Moi, je suis pas très très fan de ce jeu. Mais c'est dans le full set Pokémon et également dans le full set Wii U, parce que j'ai un opus pour chaque collection. Voilà, pour la petite info. Faudra peut-être commencer par cette pile-là, par les jeux DS. Alors j'ai Apprends avec Pokémon à la conquête du clavier. Donc ça, c'est un jeu où il faut taper le nom des Pokémon avec un clavier qui est connecté en Bluetooth à la DS. Donc franchement, c'est assez sympa.
J'avais fait une vidéo il y a plusieurs mois sur ce Pokémon, donc si vous voulez aller la voir. Les remakes de Or et Argent, donc Or Art Gold et Argent Soul Saver, voilà, donc des très bons opus avec un Pokéwalker, donc c'était une sorte de petit podomètre, voilà. On pouvait transférer un Pokémon dans ce Pokéwalker et quand on marchait dans la rue ou n'importe où, ça faisait augmenter les stats de nos Pokémon, donc ça c'était vraiment cool. Et puis maintenant, c'est deux opus cartonnés complets qui sont assez recherchés maintenant. Donc si vous voulez les avoir, bah, il faut mettre le prix encore un coup. Hein. On va continuer par les opus DS avec, c'est pas dans l'ordre mais c'est pas très grave, Blanc 2, Noir 2. Donc ceux-là à l'époque, je les avais pas fait, puisque moi j'avais fait le blanc ou le noir, je sais plus. À l'époque, j'avais fait l'un des deux, voilà. Donc du coup, je ne sais pas si le Blanc 2, Noir 2, c'est la suite, je ne sais plus du tout, c'est pas grave. Une autre génération, donc Perle et Diamant, bah Diamant et Perle, on peut le dire dans les deux sens. Donc là je suis très content qu'ils vont faire le remake sur Switch en fin d'année, ça va être génial. Et l'opus complémentaire qui était Platine, vous voyez franchement la jaquette comment elle brille, elle est trop classe avec le très beau Giratina. On enchaîne par les opus Pokémon Ranger, donc j'ai Nuit sur Alma. Pokémon Ranger, Sillage de Lumière, voilà. Il y en a pas mal, et le premier Pokémon Ranger, voilà. Donc moi, tout ce qui est opus autre, donc genre Pokémon Ranger, Donjon Mystère, je les ai quand même tous dans ma collection, mais je suis pas très fan. Mais je les ai quand même, donc là, ce sera les prochains Pokémon, c'est des Donjons Mystère, j'en ai 4 sur la DS, je vais vous les montrer rapidement. Donjon Mystère, équipe de secours bleu. Donc si je me trompe pas, l'opus complémentaire, on va dire, qui était équipe de secours rouge, qui est sur GBA, mais que je n'ai pas. Donc il va falloir que je le chope. Et alors, explorateur du temps, sur Donjon Mystère, toujours. Explorateur de l'ombre, et explorateur du ciel. Voilà, donc ça fait pas mal d'opus sur DS, franchement, c'est vraiment cool. Et mon dernier jeu DS, qui était sorti, je crois, au line-up de la console, qui est un jeu de course avec des Pokémon, le Pokémon Dash, voilà. Donc c'est un peu une vue de dessus, et on contrôle les Pokémon, il faut faire la course, tout simplement. Donc tout ça, j'ai fait... Alors il y a une grosse pile 3DS, donc on va faire ça directement après, puis on va finir par là après. Alors ça, c'est 3 opus sortis sur le Nintendo eShop, donc c'était les versions Game Boy de Or, Argent et Cristal, voilà. Donc ça, c'était des opus en boîte cartonnée, avec juste des codes de téléchargement. Ils sont aussi disponibles sur le Nintendo eShop de la 3DS si vous voulez les télécharger. Mais moi, quand j'ai vu qu'il y avait des versions boîte en magasin, bah, j'ai acheté les trois versions en boîte. Donc voilà. Celui-là, le Détective Pikachu, je l'ai acheté Day One. Je n'y ai jamais joué. Mais pourtant, je pense que ça peut me plaire parce que je surkiffe le film Détective Pikachu. Celui-là, j'y ai jamais joué. J'ai vu quelques gameplays, ça ne m'avait pas trop tenté à l'époque. Donc c'est pour ça que je ne l'avais jamais lancé. On va enchaîner sur 3DS avec Donjon Mystère, méga Donjon Mystère. Donc il est sous blister, je l'avais chopé en solde, je l'avais toujours pas lancé non plus. Une génération que j'avais pas trop aimé, Soleil et Lune, voilà. Pourtant les légendaires étaient assez classe, Solgaleo et Lunala, mais leur système de cristaux là. Fallait battre des Pokémon dominants pour avoir les cristaux, ça j'avais pas trop kiffé. Moi je préfère vraiment les arènes avec des badges, vraiment le truc classique des Pokémon. Alors il y a quoi d'autre sur 3DS? Ah par contre ceux-là je les ai adorés, je vous les montre comme ça. XY, voilà, donc les premiers en 3D avec la 3DS, ils étaient juste excellents ceux-là, franchement j'avais adoré. Il y a le super Pokémon Rumble, voilà, donc je crois que celui-là, il y a un petit mode gratuit sur le Nintendo eShop de la 3DS, si je ne me trompe pas. Le Pokémon Art Academy, voilà, donc un jeu de dessin avec des Pokémon, donc il faut dessiner les Pokémon. Et le Donjon Mystère, les Portes de l'Infini, voilà, donc c'était le dernier Donjon Mystère que j'avais à vous présenter. On continue, hop, sur 3DS, mais là, c'est des opus un peu plus limités. Alors, j'ai le remake de Saphir et de Ruby, Saphir Alpha, Ruby Omega, deux excellents remakes, avec à l'intérieur un steelbook de chaque jeu.
Et également dans un même format avec un steelbook, Ultra Lune et Ultra Soleil. Alors ceux-là, franchement, je n'avais pas trop aimé non plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre Soleil et Lune, à part un petit peu à la fin, si je me souviens bien, mais il n'y a pas trop de différence. C'est pour ça que j'avais pas trop kiffé. Déjà que à la base, Soleil et Lune, j'avais trouvé ça moyen, donc Ultra Soleil, Ultra Lune, je les avais pris pour la collecte, mais je n'avais pas trop kiffé non plus. Donc là, on a fait tout ça. J'ai des cartouches 64, par contre c'est que du loose malheureusement. J'ai 3 jeux en Jap et 3 jeux PAL. Donc on va commencer par les Jap. Alors celui-là c'est le Stadium, mais je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2. Va falloir que je recontrôle, je ne sais plus. Celui-là qui est le AU Pikachu, voilà. Donc je crois que ça c'est même pas sorti en PAL. Je crois que c'est que une exclu Jap. Le Pokémon Snap en version Jap, donc ça c'est cool. En plus, il y a le remake qui sort à la fin du mois de Pokémon Snap, donc ça je vais le prendre Day One. Donc du coup, je vous montre la version PAL de Pokémon Snap. Donc, franchement, ça va vraiment être génial de refaire le Pokémon Snap sur Switch. Le premier Pokémon Stadium, par contre, j'ai pas le 2, ça c'est dommage. Et mon dernier jeu N64 Pokémon, qui est le Puzzle League. Donc je me rappelle plus comment s'il est celui-là, mais je pense que c'est une sorte de Candy Crush-like, on va dire. Donc voilà, donc j'ai fait tout ça, et ben il reste du coup sur la dernière console, il reste plus que la Switch, donc il y en a 5 quand même. Donjon Mystère équipe de secours DX, donc du coup celui-là ben, c'est le remake des premiers Donjons Mystère équipe de secours bleu et rouge, voilà, donc sur Switch. Moi j'avais pas trop kiffé, j'avais même fait une vidéo découverte à l'époque sur cet opus Switch. Le Pokémon Tournament DX, donc la version Deluxe avec plus de Pokémon et sûrement plus de stages également. Donc vu que j'avais trouvé la version Wii U moyen, j'avais quand même acheté la Deluxe pour la collection bien évidemment. Mais je ne suis pas trop fan comme j'ai dit tout à l'heure. Pokémon Épée Bouclier, donc là avec la version limitée avec le Steelbook doré. Alors ça c'est Épée Bouclier, je trouve que c'est des opus que j'adore, franchement. Il y a beaucoup de gens qui les taillent un peu parce qu'ils graphiquement ils trouvent que c'est pas trop à la hauteur de la Switch. Quand on compare graphiquement avec Zelda et Pokémon Épée Bouclier, il y a beaucoup de gens qui ont un peu gueulé. Mais moi, franchement, j'ai adoré ces deux opus. Et puis, on va finir déjà cette vidéo par les deux derniers de la vidéo que je vous ai pas présenté. Les remakes de la première génération, Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, avec les deux versions limitées avec la Pokéball Plus. Donc ça, franchement, énorme. J'avais vraiment kiffé beaucoup ces deux versions. Donc avec la Pokéball Plus. Donc si vous n'avez pas fait ces deux jeux, les deux remakes de la première génération, pour capturer des Pokémon, ils se sont basés sur le gameplay de Pokémon Go. Faut pas faire des combats pour capturer des Pokémon, il faut prendre la Pokéball Plus ou alors le Joy-Con et faire le geste devant sa télé pour capturer les Pokémon. Mais moi, j'avais trouvé que c'était un gameplay très efficace, et limite, voire peut-être même mieux que les Pokémon sauvages qu'on combattait à l'époque. Puisque là, tous les Pokémon pop sur la map, donc on peut les éviter, ça c'est vraiment bien. Parce qu'avant, dans les premières générations, quand on traversait les grottes et tout ça, ça popait tout le temps, c'était vraiment chiant. Alors que là, au moins, on peut les esquiver, on peut passer et tout ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, c'était les deux derniers opus que j'avais à vous présenter pour cette collection Pokémon. Vous avez vu, franchement, il y a vraiment de très belles pièces et une très belle collection. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, mettez un gros pouce bleu, n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous en avez pensé. Retrouvez également tous mes réseaux dans la description. Et puis sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Ciao.